La région Sud est une terre de patrimoine unique au monde. Depuis plusieurs générations, une part de son histoire et de celle de ses habitants s'écrit sur les écrans et sur les ondes. C'est ce précieux fragment de vie commune que la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur propose au public de découvrir grâce aux ressources de l'INA. L'Institut national de l'audiovisuel est une entreprise publique audiovisuelle et numérique qui préserve et transmet le patrimoine français de la radio, de la télévision et des sites web médias. Il diversifie constamment ses offres numériques en direction de tous les publics, et notamment les plus jeunes. Coproduite par l'INA et la région Sud, Sudorama retrace l'histoire et la culture du territoire à partir de plus de 500 vidéos depuis les années 40 et sur des thèmes variés. Fresques interactives, plusieurs modes d'affichage sont possibles. Mais ce qui fait de Sudorama un outil documentaire exceptionnel, ce sont aussi les contenus historiques et éducatifs qui viennent enrichir les vidéos grâce à la collaboration avec le laboratoire TELEM de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme. Les chercheurs enrichissent ainsi chacune des vidéos et proposent des parcours thématiques sous forme d'articles publiés sur le site Sudorama. Le partenariat avec le rectorat des académies Aix-Marseille et Nice permet d'offrir également aux élèves et à leurs enseignants des repères pédagogiques en lien avec les programmes scolaires. Je vous propose d'en savoir plus tout de suite. Du point de vue des historiens, les archives de la télévision française, à l'honneur dans Sudorama, constituent des sources précieuses. Elles sont bien sûr indispensables pour faire une histoire de la télévision, média, au cœur de la culture de masse à partir de la seconde moitié du XXe siècle. Cette histoire s'intéresse aux conditions de production des images, mettant en jeu les évolutions des technologies, des pratiques professionnelles. Elle porte aussi attention aux relations entre télévision et pouvoir politique, dont on sait en France que, de la RTF à l'ORTF, elles sont marquées jusque dans les années 1970 par une forte logique de contrôle et de soumission de la télévision à l'État. Les archives de la télévision permettent donc d'étudier la médiatisation de phénomènes ou d'événements. Au-delà des informations factuelles qu'elles délivrent, ces archives donnent à voir et à entendre les modes de représentation et de pensée d'un moment, d'une époque. Extraits de journaux télévisés, d'émissions de diverses natures ou encore de documentaires forment comme un miroir, un kaléidoscope. La petite lucarne agit comme un prisme et il convient sans cesse de garder à l'esprit que ces images et ces voix du passé constituent des points de vue. Il revient aux historiens de les décrypter, de leur donner du sens en inscrivant les images et les commentaires dans leur contexte, rappelant ainsi ce qui a pu précéder, explicitant le positionnement des différents protagonistes, éclairant les enjeux, parfois les débats, soulevés par les questions posées à l'écran. C'est ce que nous avons fait dans les éclairages qui accompagnent chacune des archives vidéo figurant dans Sudorama. L'approche est plus développée dans les parcours thématiques. Plusieurs vidéos y sont mises en relation sur un aspect particulier, la Seconde Guerre mondiale, les migrations, l'environnement, l'industrie, ou encore le sport, pour ne prendre que quelques exemples. Ainsi sont posés des jalons d'une histoire globale de la région. Le travail des historiens n'étant jamais figé, l'actualisation des contenus est continue, répondant aussi en cela à l'ambition didactique et pédagogique de Sudorama. Chercheurs et enseignants coopèrent pour proposer des repères pédagogiques. Il s'agit d'activités en lien avec les programmes scolaires réservés aux professeurs et à leurs élèves, accessibles sur la version éducative de Sudorama au sein de l'espace numérique de travail des lycées de la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ces repères pédagogiques à destination des enseignants et de leurs élèves rassemblent des vidéos en lien avec les thématiques et les compétences du programme scolaire, de lycée général, mais aussi professionnel. Sudorama constitue ainsi une ressource précieuse pour enseigner l'histoire, la géographie, mais aussi les disciplines scientifiques et technologiques. En réponse à la création du parcours citoyen qui accompagne l'élève durant toute sa scolarité, nous avons également souhaité apporter des contenus pédagogiques concernant l'enseignement moral et civique, ainsi que l'éducation aux médias et à l'information. Ce sont des enseignements transversaux qui s'adressent aux professeurs de toutes disciplines. Par exemple, une activité est proposée permettant aux élèves de mieux comprendre le rôle des médias durant les mouvements de contestation. Il revient sur l'épisode des Gilets jaunes dans la région, ou sur le mouvement du 5 novembre né à Marseille à la suite de l'effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne en 2018. Ce parcours propose aux élèves de s'interroger sur le traitement télévisuel des manifestations, mais aussi de mieux comprendre les revendications et les enjeux liés à ces mouvements sociaux.
dans la version proposée spécifiquement aux élèves via l'espace numérique de travail, accessible depuis la salle de classe ou à distance, les réponses aux questions sont masquées et seul leur professeur peut y accéder. En plus des repères pédagogiques qui leur sont proposés, les enseignants et leurs élèves disposent de fonctionnalités spécifiques. En bref, que ce soit pour découvrir le patrimoine, l'histoire de notre région ou pour apprendre, rendez-vous sur Sudorama.